Puis même à l'heure actuelle, les attaquants, franchement, qui traînent leur peine comme ça, là. Vous avez vu, franchement, genre ça m'a fumé la vidéo de Messi là qui arrive à l'entraînement du PSG. Je crois que c'est du TikTok du PSG où on le voit en arrivant et il marche comme s'il avait toutes les peines du monde sur ses épaules. Oh frère, j'ai vu ça, j'étais. Ah, j'étais mort de rire. Franchement, j'étais mort de rire avec la longue veste là comme ça là. Vraiment, genre vraiment, il y en a, il a tweeté, il a dit ouais, on dirait il marche comme un mec qui gagne 1500 euros par mois. J'étais mort de rire, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Genre vraiment, le frère traîne toutes les peines du monde sur ses épaules, gros. Vraiment, ça me fume. Ça me fume. La côte catalane lui manque peut-être. Non, mais bon, après il s'adaptera. Puis après, ça reste quand même un frère qui gagne 50 millions par an. Bon. Au bout d'un moment. Oh là 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 là, le banger! On dirait qu'il est préparateur de commandes. Ça me fume. Ouais, sans doute, peut-être qu'il y a la plage de temps en temps. Je sais qu'il habitait un peu à côté de Barcelone. Peut-être qu'il kiffait, hein. Attention. Oh, le banger! Cristante. Il aurait dû fuir aux États-Unis, sa carrière est faite. Frère! Lionel Messi, c'est un mec, c'est pas. Lionel Tessi, c'est pas un romantique. Il aurait dû retourner dans son petit club des Newell's Old Boys. Tout le monde s'en serait battu les couilles de son niveau de performance. Il serait retourné en Argentine auprès de son peuple. C'est ça que le discours très à droite. Hein. Ouais, rentre dans ton pays, c'est le bâtard. Non, je rigole. Mais en réalité, ça aurait été. Il y aurait eu un côté beau. Il y aurait eu un côté beau à ça. Bon, après, peut-être qu'il y aura plus tard. Là, j'ai vu Neymar. J'ai vu Neymar. Ouais. J'ai envie de jouer aussi à Santos et aux États-Unis parce qu'ils ont 3-4 mois de vacances. Le mec, il s'en bat les couilles du foot de haut niveau maintenant, il s'en branle. Il veut juste se taper un trip MLS à Miami, puis après derrière aller à Santos un petit coup, gros, il s'en bat les couilles, gros. Vraiment, il s'en fout. Le football, pour lui, le jeu est terminé.